Ciao! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo swap avec Adi de la chaîne Evora. Je mettrai tous les liens de sa chaîne en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas pour ça et je vous invite vraiment à les voir. Parce que c'est mon bébé chat, voilà. On commence sans plus attendre. Enfin, avant, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Je l'ai déjà tourné une fois. Donc, du coup, il n'y a plus les emballages. Mais ça me plaisait pas du tout, donc du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, enfin je lui ai demandé en gros si je pouvais la retourner, si ça la gênait pas. Enfin voilà, enfin c'est juste qu'il n'y a plus les emballages et du coup ça m'embêtait, mais je me voyais pas refaire les papiers cadeaux, donc voilà. Faut pas m'en vouloir. Tout d'abord il y avait une petite lettre que j'ai décidé de garder pour moi. Voilà, elle écrit juste trop bien, elle écrit que le menu était dans le petit carnet, donc je vais vous montrer. Et elle m'avait mis des autographes parce qu'elle avait été un meet-up. Et du coup, elle en avait demandé pour moi, donc c'est juste trop mignon. Puis c'est parti. Alors, le carnet, il est juste trop mignon, vous voyez. Et c'est des petites fleurs, c'est mignon, c'est parfait, c'est comme elle en fait. Petite 1. J'ai aimé cette odeur. Donc, poser ça. C'est un cottage à l'ananas et la crème de coco. Il sent juste divinement bon, on a envie de le manger, j'adore les cottages, donc c'est parfait, c'est un très 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 bon choix pour moi. Voilà, donc j'ai très très hâte de l'essayer, vraiment, il me tarde de le faire. Numéro 2, idéal pour les peaux sèches. C'est une huile de beauté à l'amande douce. D'Evolyderm. Alors je connais un peu la marque, mais pas beaucoup, puis pas leur soin qui hydrate. Donc j'ai très très hâte de l'essayer. Elle sait que j'ai la peau très sèche, donc j'espère que ça va marcher, que je vais trouver le remède miracle. Je vous en dirai des nouvelles, je pense. Numéro 3. Pour partir en voyage. Un ami. Grande trousse imprimée, enfin imprimée en dentelle noire avec des petits trucs à l'intérieur, c'est-à-dire deux mascaras de chez Max & More. Alors, je connais pas la marque donc je vous dirai le maximum volume, celui-là, et le Extreme Amazing qui est waterproof, donc celui-là, en gros le orange et le noir, enfin le noir, ils sont tous les deux noirs, mais. Elle m'a mis un nude, un rouge à lèvres nude. C'est celui-là. Qui est trop beau, qui est parfait pour la rentrée. Et une palette Sephora. Donc, qui est juste nickel pour partir quand on part en week-end, en vacances. Parce qu'il y a tout dedans. Enfin, il y a tout dedans. Il y a tout pour les yeux. Donc, voilà, je vous laisse. Voir. Et puis c'est parfait parce qu'il y a une petite glace aussi, donc en gros il y a tout, donc plus que les pinceaux, enfin il n'y a plus que les pinceaux en mai. Donc voilà, donc parfait, merci. Merci mon chat. Numéro 4. Mon petit monde de paillettes. Donc c'est une base de teint de chez Max & More. Voilà, je connais toujours pas la marque, donc je vous dirai aussi. Et j'en ai pas, donc c'est parfait. Comme ça je vais pouvoir faire mon teint comme il faut. Bon, en même temps, je me maquille pas dès mars, là je la passe sans occasion, donc c'est pas très grave, mais bon, c'est parfait. Parfait, 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 parfait. Numéro 5. On n'en a jamais assez. Alors, faut que je le retrouve. C'est un vernis de chez Rimmel. C'est le... Est-ce que je le trouvais? Le 203. Il est rose pâle, il est parfait, il passe avec tout. Je l'adore. Je l'adore. Déjà. Numéro 6. Le nude parfait. Et là. Déjà, le packaging est juste magnifique. C'est un rouge à lèvres nude de chez P2. Et est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, il est juste magnifique, magnifique, magnifique. Et regardez-moi ça.
Il est sublime, je l'adore, j'ai très 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 hâte de l'utiliser. 7, c'est chiant mais il faut le faire. Alors moi c'est pas ce que je trouve de plus chiant, c'est enlever son vernis avec du dissolvant, surtout que c'est un dissolvant mousse, donc bon. Moi j'aime bien, il sent super bon, il sent l'amande, et je m'en suis servi ce matin du coup parce que j'avais les ongles tout pourris. Et il marche hyper bien, donc j'en suis hyper contente, c'est génial, ça évite d'utiliser des cotons, donc merci mon petit chat, c'était une très très bonne idée. Numéro 8, l'hydratation c'est important. Là-dessus, on est d'accord. C'est un baume de chez Sephora qui sent la fraise, je crois. Je sais pas, moi je trouve ça sent la fraise. Il a l'air très 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 bien, très hydratant. J'ai très très hâte de l'utiliser, moi surtout que j'ai tout le temps les lèvres gercées, donc merci, merci. Mes lèvres te remercient. Numéro 9. J'ai jamais testé, tu m'en diras des nouvelles. Moi en plus, jamais testé. C'est le masque pour les yeux de chez Sephora. Avec la rentrée, je pense que ça va bien m'aider. Parce que hashtag j'ai plein de cernes. Bah, je te dirai, mon petit chat. Je vous dirai à vous aussi. Parce que du coup, c'est quand même important. Je vais voir, j'avais très envie de l'essayer. Donc c'est parfait, merci mon chat. Numéro 10, tu vas adorer l'odeur. Alors là-dessus, elle s'est pas trompée. Puisque c'est le Visible Clear Gel Exfoliant Pamplemousse Rose de notre Jeune. Juste, moi, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et le pamplemousse, au réveil, pour moi, c'est juste l'odeur parfaite. Donc, merci mon chat. Parfait. Celui-là, t'es sûr qu'il me fait plaisir. 11, malgré la distance. Alors ça, c'est le cadeau qui m'a touché le plus. C'est un collier avec le... Tombe pas, s'il te plaît. Avec le pendentif de l'amitié. Il est simple, il est vraiment tout simple, mais il est magnifique. Et voilà, et je vais le porter tout le temps parce que c'est nous. Et franchement, c'est ce qui m'a le plus touché parce que c'est une part de nous. Voilà. Donc merci mon chat, c'est gentil d'y avoir pensé. 12. Nous les filles, on adore ça. Et là, mamie. À quitte, on va dire. Avec des feutres de chez Maped, les graphiques Peps. Donc ça c'est trop bien, ça sert tout le temps. Des gommes. Des gommes juste trop mignonnes. Et un rouge à lèvres, un peigne. Un escarpin, une robe et un sac à main. Je sais pas si je vais m'en servir, mais franchement, je les trouve trop mignonnes. Et en fait, j'ai pas envie de les abîmer, donc je pense que je vais pas m'en servir. Elles sont trop cute. Et un carnet, bon, on est tous un carnet dans nos swaps, mais il est trop beau, il est rose, donc ça c'est que j'aime le rose. If you can dream it, you can do it. Et ça va me motiver, je pense. Il est magnifique, Il a l'air pratique et tout. Enfin, merci mon chat. Merci, merci, merci. Et enfin, numéro 13, le kit de survie. Alors ça c'est pareil, ça va me servir surtout pour les cours. C'est un petit kit avec du scotch, des agrafes, une agrafeuse, des trombones, un taille-crayon, une paire de ciseaux. C'est le genre de truc qu'on devrait tout savoir. Donc c'est parfait parce que maintenant j'en ai un. Et ouais, je pense que ça va me sauver la vie plus d'une fois. Donc, puis c'est parfait dans la boîte, comme ça j'ai pas besoin de chercher 15 ans. Donc, c'est parfait, parfait. T'as pensé à tout, mon chat. Merci. Bon, alors il me reste quelques trucs quand même, même si le swap à chiffres, j'ai envie de dire, est terminé. Et alors, je vais tout là, c'est normal. Voilà, ça, dans le ça. Alors d'ailleurs je vous ai pas montré la boîte, mais c'est juste une boîte trop mignonne, avec des petites fleurs et tout, j'aurais dû bien s'amuser à faire ça. Donc c'est parti, donc ça c'était en plus, même... Ok Aline, elle m'a mis deux vernis en plus, un bleu pailleté, bleu métallique, qui va être parfait genre pour cet hiver, mais genre je pense que je vais mettre que celui-là. Enfin l'autre, et aussi l'autre qui est noir
kaki or, enfin le mélange fait et qui est juste magnifique aussi. Donc ça c'est trop trop bien. Parce qu'en plus des vernis, mais vu que je change tous les jours. Elle m'a mis un gel antibactérien qui sent pas l'alcool puisqu'il est au thé, qui sent bon. Et franchement ça c'est hyper pratique dans son sac à main, pensez-y. Elle m'a mis un baume à lèvres. Qui est comment? Qui a de la couleur, on va se comprendre. Enfin ça, voilà, c'est le celui du bas. Genre c'est juste hyper pratique le matin. T'es en retard, tu mets ça, hop là, t'as l'impression que t'es maquillée. Alors qu'en fait non, pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est juste trop pratique. Et en plus, elle m'avait mis des échantillons, donc elle m'a mis deux huiles lavande de la Roche-Posay. Donc ça, je les ai serrées parce que j'aime bien la Roche-Posay, donc c'est génial. Un gommage pour le visage de Jean Estéré. Donc voilà. Et de la même marque, elle m'a mis un anti-rides. Bon, j'ai que 19 ans, mais c'est pas grave, ça fera de la prévention. Merci mon petit chat. Et c'est tout pour ce swap. Je tenais à la remercier parce que finalement, même avec la distance, on se connaît bien, je pense. Et je tenais à vous remercier vous aussi, puisque si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez tout vu. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous là, comme ça. Mettez un like si ça vous a plu. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. On vous mettra tous les liens dans la barre d'infos. Et je vous embrasse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.